Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je viens de l'atelier Chardon Savard à Nantes. J'ai fait 3 ans de stylisme et modélisme pour avoir un diplôme de designer de mode. Aujourd'hui, je suis en stage chez Paul & Jo en tant qu'assistante studio. Moi, je m'appelle Lucille, je viens aussi de l'atelier Chardon Savard de Nantes. J'ai fait aussi les 3 ans de designer de mode. Et puis après, je suis en management de la mode à Modart. Et pour l'avenir, j'aimerais travailler dans la com et l'événementiel de mode. Et moi, j'aimerais continuer dans une maison de création en tant que responsable de collection. Donc, l'atelier Chardon Savard, on l'a choisi notamment par la créativité. C'est une excellente école dans ce domaine. Elle est complète. Au niveau des formations et des techniques, et elle est très familiale et c'est très agréable de travailler avec des professeurs qui ne prennent pas que pour des élèves. Un bon point fort qui est aussi la participation au défilé chaque année, qui nous permet de nous immerger vraiment dans le milieu professionnel. Mais c'est grâce à l'atelier du coup qu'on s'est connus et qu'on a voulu toutes les deux participer au 4L Trophy. Il est un raid humanitaire et sportif en 4L où nous sommes à peu près 1400 voitures qui partent au Maroc pour donner des fournitures aux enfants marocains, aux associations qui les soutiennent et aussi des denrées alimentaires pour le Secours Populaire Français et la Croix-Rouge. C'est un parcours qui traverse le désert. L'Espagne. Ça nous tenait très à cœur de mener à bien ce projet. On y pense depuis notre première année, je pense. Mm. Et à cause des défilés qui nous prenaient beaucoup de temps, on a mis un peu de temps à se lancer. Et c'est maintenant où on a pu faire le pas. On a acheté notre voiture, on a cherché des sponsors, dont l'atelier Chardon Savard, qu'on remercie. Et nous avons également préparé des t-shirts et des casquettes. Nous avons mis en ligne, sur une cagnotte que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Dude et sur Instagram Dude France. Elles sont à vendre et c'est pour nous soutenir dans le projet. Ensuite, on conseille aux nouveaux étudiants qui veulent travailler dans la mode. Je leur conseille de bien s'attacher et de ne pas se laisser influencer ou abattre par les autres. Il faut persévérer. Et il faut bien prendre en compte que tout ce qui est à apprendre est important. Je veux dire par là que aussi bien que ce soit de la couture, de la technique techno-textile ou de la création, il faut vraiment prendre le maximum de choses que vous pouvez. Ce sera d'autant plus facile par la suite. Voilà.